Elle est très inquiète pour ses filles. Depuis la mort de George Floyd à Minneapolis, Michelle Obama est très impliquée dans le mouvement Black Lives Matter. Si, l'ex-première dame des États-Unis est soulagée que Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd, si est-il lors d'une interview accordée à CBS This Morning qu'elle a assuré qu'il reste du travail à faire et qu'elle avait peur pour ses filles en raison de leur couleur de peau. Beaucoup d'entre nous vivent encore dans la peur quand nous allons à l'épicerie ou que nous nous inquiétons de promener nos chiens ou de permettre à nos enfants d'obtenir un permis, a-t-elle assuré. Alors que ses deux filles, Malia, 22 ans, et Sacha, 19 ans, conduisent toutes les deux, Michelle Obama a déclaré qu'elle s'inquiétait pour leur sécurité chaque fois qu'elle quittait leur domicile. Elle a ainsi expliqué, elles conduisent, mais chaque fois qu'elles montent seules dans une voiture, je m'inquiète de ce que supposerait quelqu'un qui ne sait pas tout sur elles, le fait qu'elles soient de bonnes élèves et des filles polies, mais peut-être qu'elles jouent leur musique un peu fort. Peut-être que quelqu'un voit l'arrière de leur tête et fait une supposition. Maman inquiète, l'épouse de Barack Obama a ajouté, moi, comme tant de parents d'enfants noirs. L'acte innocent d'obtenir un permis met la peur dans nos cœurs. Je pense donc que nous devons en parler davantage et nous devons demander à nos concitoyens d'écouter un peu plus et de nous croire et de savoir que nous ne voulons pas être dehors en train de marcher. Les confidences de Michelle Obama sur l'éducation de ses filles quelques semaines plus tôt, si est-il lors d'une interview accordée à Good Morning America que Michelle Obama s'était confiée sur l'éducation qu'elle avait donnée à ses deux filles. Expliquant qu'elle souhaitait que Malia et Sacha se fassent entendre, l'ex-première dame des États-Unis avait révélé, « Si vous êtes autour de la table en train de dîner avec nous, Barack et moi, on ne peut pas en placer une. Et cela ne nous dérange pas, nous, on aime bien ça. J'ai toujours voulu qu'elles commencent à utiliser le pouvoir de leur voix très tôt. »